Salut à tous, merci de nous rejoindre pour ce match de coupe. Les quarts de finalistes se sont préparés pour ce choc avec beaucoup d'envie. Ça fait des jours entiers que les supporters ne parlent que de ce match. Que ce soit à la machine à café ou sur les réseaux sociaux, on sent que l'attente a été longue. Résultat, le stade aujourd'hui est plein. Le cadre est parfait et nous sommes dans les meilleures conditions pour vous commenter cette rencontre. On a senti un réel engouement en se baladant en ville aujourd'hui. À mon avis, ça va être chaud. C'est l'un des plus beaux stades dédiés au football. Et voici l'hymne national de la Turquie. Continue maintenant avec le deuxième hymne national. Ils ont bien mérité leur place ici. Et s'ils arrivent à reproduire ce qu'ils ont fait au tour précédent... On va voir ce que nous réserve ce match. Et il y a du beau monde sur la pelouse. Qui faudra-t-il surveiller selon vous? Et Lukaku peut-être. Il a tout d'un grand attaquant, il est solide, il a de bons pieds, et qu'est-ce qu'il est bon de la tête aussi. C'est un cauchemar pour les défenses adverses. C'est vrai que je le verrais bien marqué dans ce match. C'était intéressant cette action. Oui, il tire. Et oui, le but. Aucun rame d'observation, le capitaine frappe d'entrée. Ah oui, il fallait pas arriver en retard pour ce match. Espérons qu'il reste sur la même lancée. Ils ont été très rapides et décisifs à la récupération du ballon. Voilà, c'est comme ça qu'on mène une contre-attaque. Et c'est donc son deuxième but de la compétition. Elle fait du bien, cette ouverture du score. De Bruyne. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. De Bruyne qui cherche à construire. De Bruyne qui écarte le jeu. Ça va sur l'aile. Oui, ça pourrait passer sur l'aile droite. Il centre, attention. Bourak qui tire. Bourak Yılmaz. Voilà la frappe. Et le gardien est présent. Incroyable comme il est allé la chercher. Ça semblait se diriger tout droit au fond. Il essaye de faire la différence côté gauche. Un bon centre. La frappe. Ça passe à côté d'un rien. Ah là là, pas de bol. C'est dommage, mais il faut vraiment cadrer à tout prix ce genre de frappe.
Tielemans. Hazard qui a de l'espace. Alderweireld. La Turquie est vraiment bien rentrée dans cette rencontre. Ça fait donc 1-0. La longue passe. Il change complètement de côté. Attention, ça peut aller vite. Côté gauche. De Bruyne. Il accélère côté droit. Il est passé. Dans la surface. Et c'était pas très bien dosé. Ballon perdu. Vertonghen. Witzel. Witzel qui cherche la profondeur. Tielemans. Ça manque de soutien dans la zone de vérité. Attention! Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Il y va tout seul. Bien, la profondeur. C'est un bon ballon. Ça peut être dangereux. Oh, c'était une jolie frappe. Belle frappe à ras de terre, mais ça n'inquiète pas le gardien. Lukaku. Tielemans. Il faut faire les bons choix. Dans la boîte. Oh, ce centre qui n'est pas passé. Tielemans. Ça va vite, oh, s'il lève la tête. Et c'est un corner pour eux. C'est un bon mouvement. Çelik, qui est bien placé. Le gardien est là, pas de problème. Tielemans. Il relance côté droit. Il ne résiste pas au contact. S'il le trouve, ça peut être extrêmement dangereux. Le bon dribble. Il paraissait bien seul aussi. Dégagement du gardien. De Bruyne. Bien joué à droite, il faut aller vite. Ça peut partir en contre. Il y a peut-être un coup à jouer. Oui, il peut frapper là. Et l'arrêt est magnifique. Ah oui, superbe. Quelle reprise de volée! Le coup de sifflet, c'est la mi-temps. 45 minutes sont passées, un seul but marqué. On va laisser les équipes se reposer en buvant une petite tasse de thé, pourquoi pas. Quel... Espérons un peu plus de réalisme en seconde mi-temps. 1-0, un seul petit but, c'est par les deux équipes.
L'arbitre siffle le coup d'envoi de la seconde période. Un petit but d'avance, ils font la course en tête pour l'instant. Il s'échappe le long de la ligne. Il cherche à le servir. Ça manque un peu de précision. Il peut en profiter. Il peut y aller. C'est dégagé loin. Hazard. Lukaku. Hazard. Et c'est de bonne situation sur l'aile gauche. Il accélère et il déborde. Le bon dribble. Il prend sa chance. Oh, le but ! Le but ! Le break est fait. Deux buts d'écart désormais. Quelle envie, il s'est jeté sur ce ballon. Il se retrouve au bon endroit, au bon moment. C'est vrai qu'il y a un petit peu de réussite, mais c'est parfaitement joué de sa part. La Belgique qui procède à un changement dans cette rencontre. Un joueur créatif qui rentre, ce n'est jamais une mauvaise nouvelle pour moi. Et voilà, ça fait maintenant 2-0. Ils vont sans doute être plus détendus maintenant. Et qui sait, peut-être même prendre le large. Je ne sais pas ce que l'entraîneur leur a dit à la mi-temps, mais pour l'instant, ça marche. Ils sont patients dans la construction, mais il faut faire la différence. Le ballon piqué sur le côté. C'est parti. Oh, l'occasion ! La Turquie qui effectue un changement. Ah, on devrait voir un petit peu plus de spectacle, de dribbles et de vitesse. Il décide d'allonger le jeu. Un long ballon vers l'avant. Burak Yılmaz qui aimerait sans doute avoir un peu plus de liberté. Élémentaire, mon cher Grégoire. C'est pour éviter qu'il fasse encore ce qu'il veut. Et il jaillit pour prendre ce ballon. Pas assez précise cette passe. C'était une bonne intervention. Quelle occasion, attention ! L'arrêt splendide ! Il a bien joué le coup, mais ça ne rentre pas. La passe en profondeur. De Bruyne, c'est joué long. Mais le ballon est perdu. C'est bien conserver sa lucidité maintenant. Il sent... Oh, la frappe ! Là, j'étais un peu à l'arrêt. Il joue avec le feu en ce moment en laissant autant d'espace sur les ailes. La Turquie qui effectue donc un nouveau changement. Ça joue long vers l'avant. Il allonge vers l'avant. L'interception au bon moment. La faute. Ça n'a pas pu aller plus loin.
dans la profondeur. Oh, quelle frappe! Oh, ça a touché la transversale. Ils sont passés tout près du 3-0. Il aurait pu les mettre définitivement à l'abri et il le sait. Oh, voici Lukaku. C'est joué long, c'est dangereux. Oh, il y avait danger, mais il a bien jailli. Witzel qui joue long. Long ballon dans le sens du jeu. Bon service dans la profondeur. Oh, mais c'est bien défendu, c'était dangereux. Alors là, bravo aux défenseurs. Il fallait l'oser ce geste. Et surtout, il fallait le réussir. C'est envoyé dans l'axe. Ça joue long vers l'avant. Dans la profondeur, bien vu. Ce ballon dans la boîte. Çalhanoğlu qui se montre intraitable dans ce match. Pour filer droit au but. Oh, le contre, l'arme fatale. Mertens. Faute, oui, l'arbitre a sifflé. Voici Lukaku. Il a tenté, bien joué. Le jeu repart vers la droite. Centre au second poteau. La frappe, attention! Il l'a perdu. Oh, que c'est bien joué. Oh, ça bascule en toute fin de rencontre. La défense était bien présente, mais il a trouvé une brèche. Il utilise toute sa puissance pour résister à la charge avant de déclencher son tir. Bravo. Alors là, toutes les conditions sont réunies pour une fin de match explosive. Under, il est passé. Oh, c'est chaud. Il peut frapper. Attention là. Bien servi. L'occasion. L'autre tir. Oh, c'est chaud. Oh, pourquoi pas, très fort, très loin, ça soulage. Et ça y est, le coup de sifflet final de l'arbitre. Oh, la grande aventure continue. Quelle belle histoire, les voilà qualifiés maintenant pour les demi-finales. C'est l'heure du bilan. Qu'avez-vous pensé de ce match? Eh bien, ils sont récompensés.